bien séduisante viole de psychopathe. Queen? Ok, c'est bon. D'accord, je peux redescendre ou redescendre. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais pas qu'on pouvait ne pas toucher au bras. Ah. Bah je sais pas, moi j'ai juste essayé. Je le sentais pas, j'ai pas touché. J'ai cru qu'il allait se faire mal ce coup. Bon, tu prends ta carte, tu bouges ton cul et on va ouvrir la chapelle, dépêche-toi. Salut Minidric. D'ailleurs Mélie, juste pour info personnelle, pour savoir vu que je peux pas faire souvent des lives, est-ce qu'il reste beaucoup de temps de jeu? Salut Drex. Sans aucun truc. Cette panique, je me suis carrément trompée de touche, quoi. C'est bien. C'est bien, loulou. C'est bien. C'est bien. Parce que j'aime les loulous, j'aime les animaux, donc c'est bien les gentils, c'est bien. Je te remercie. C'est quoi cette veste? Il y a de l'énergie drink. J'ai faim. Ouais, vole lui sa veste. Parce qu'il fait froid. Là, oui, quand même, t'es encore au début. Ah, bah cool, tu vois. Je pensais que. J'avais entendu plein de gens dire ouais, c'est court, tout ça, tout ça. C'est pas bien! J'ai fait du bruit. T'en es à quel chapitre? Presque une heure par chapitre en gros vu que tu lis tes trucs. Ouais, moi je lis et je fouille pour chercher les totems. J'en suis au 6, je crois. Je crois que c'est le 6, proie. Il y a une boîte. Allez là, passe. Ah, la réserve à cigares est découverte. Par contre, c'est bien ce que j'avais dit du coup, il y a deux tueurs. Il y a lui là, et puis il y a le mec qui est dans le chalet avec... Ça devrait suffire à combler leur faim de loup. Ouais, prends-en même deux, hein. Prends-en deux. Putain. Bah la moitié, alors. D'accord. Putain, faut que j'arrête de me tromper de touche. Oui, donc du coup, j'ai encore pas fini cette phrase. Donc, il y a lui avec la veste verte. Mais bon, du coup, c'est moi qui l'ai, sa veste. Ou alors, il en avait deux, parce que je l'ai vu partir avec sa veste verte. T'es sûr que tu fais ça? Eh ben, c'est pas grave. Gâchons des balles contre des cadenas. Mais oui, mais bien sûr, Matt. Mais évidemment. Et lui, il a perdu sa meuf, elle s'est fait défoncer la tronche et zéro traumatisme, quoi. Tout va bien, j'aime pas cette salle.
qui se passe. Non, pas noir. Ah merde, putain. Je veux plus que Matty meure. Je l'aime bien. Maintenant. Adieu, Yuri. Tu étais un bon camarade. Oh, je m'attendais à une big grande salle en mode. Salut, c'est la cérémonie du thé, tout ça, tout ça. D'ailleurs, je ne me rappelais du premier totem que j'ai trouvé, c'était un totem de perte, il s'est rien passé. Je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai pas touché le bois. Ah oui, il faut tout par terre. Deux à la fin de la première fois. Toi. Reviens en arrière. Cours, 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 règle par fais quelque chose, mais s'il te plaît, meurs pas. Culé, va. Ça marche pas. Putain, qui a fait ça? Sérieux, il se passe des putains de trucs vraiment étranges ici ce soir. C'est bon, ça va. Genre, tu peux pas passer par-dessus, s'il te plaît, quoi. Il y a un moment, faut arrêter d'être con aussi. Tu passes par-dessus, là, tu sautes. Oh, tes pattes, elles sont faites en quoi? N'importe quoi. Ah, ferme ta gueule, Emily. Qu'est-ce qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr? J'en sais rien. Il y a des trucs. Une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais des fois. Ah, il faut qu'elle meure. Je vais les croire sur parole. Donne-moi un totem de perte, s'il te plaît. La peinture est encore fraîche. Un totem de perte d'Emily qui m'explique comment la tuer, s'il vous plaît. J'ai dit de perte, pas de mort. Bon, faut que je fasse attention de ne pas tomber dans un trou. Donc, Matt, tu es gentil, tu ne t'approches de rien. Ou une hache. Prends-la, prends-la, prends-la. Caston ! Brunasse, va. Prends la hache, prends la hache, prends la hache, prends la hache. Prends la hache et mets un gros coup dans la tête à Emily. Casse la porte, tu veux? Attends une minute, il va nous entendre si on commence à tout casser. Est-ce que t'as une meilleure idée? Ah, pas là, non. Si. Regarde. Quoi? Une fenêtre. Ah, super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux. Tu passeras jamais par là, mon grand. Passe devant, Emily. Je passerai pas, mais toi aussi. T'es malade? Tu veux me faire passer par ce tout petit trou? Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus serrés que ça, M. Ah, oh, pardon? C'est un talent. Bien, allons-y. Mais oui, tu passes.
Regarde-moi, là, bah voilà. Ok. C'est parti. Oh, fais chier. Allez. Putain. Queen, viens me faire un câlin. J'aime pas du tout ça. Je suis juste là, M. Mais j'y vois rien du tout. C'est un tel merdier là-dedans que je me cogne partout. D'accord. Trouve la poignée. Charlie. Oh, quelque chose. Il est marqué Die derrière. Il y a des araignées en plus. Ah, oh, sérieux, fais chier pour des araignées avec tout ce que j'ai trouvé. Faire attention quand il fait nuit noire, pauvre tâche. Hey. Pauvre tâche. Presque. Pauvre tâche toi-même. Ah, ben voilà. T'es sérieux? Bon sang. Désolée, j'étais en train de regarder par la fenêtre. Ok, c'était quoi ce bordel? Quoi? Je suis dans le noir complet. Salut plus. Et toi, oh, tu te fais une petite balade? Ferme ta gueule. Tu viens juste de briser la minuscule et dernière lueur de confiance que j'avais en toi pour me protéger des sales. Quand est-ce qu'elle meurt? Je vais juste péter un câble maintenant. M, arrête. Je suis désolé. Je sais pas à quoi je pensais. Eh ben, tu sais quoi? Je devais pas penser du tout. Meurs, meurs, meurs. Mais c'est quoi? C'est dingue. On était là il y a quelques heures. Ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est sûrement le type, celui qui a eu Chris et Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, tu passes. Oh. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. Bah, c'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre. Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire? J'en sais rien. Tout a été complètement bousillé. Tiens, faut que j'aille voir dans la... Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Je vais voir dans cette pièce. Ok, sanatorium. Et je peux pas voir. Je peux pas voir plus. Mais déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant. Tour de guet. Hey, Magellan, peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas? C'est charmant. C'est flippant. Super. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la carte, là? Bah, c'est peut-être une solution. Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose. Enfin, ce serait logique, non? Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. Rentrons, ça veut dire qu'on rentre où? Moi, je la sens pas, la radio. Radio ou rentrée? Rentrée égale... Elle est où, Sam? Rentrée doit être égale à la maison où il y a le mec qui a fermé la...